C'est la fin de semaine! On est vendredi, j'ai juste envoyé mon dernier courriel de job. Donc c'est officiellement la fin de semaine. Il fait full beau dehors, fait que j'ai cru que ce serait pertinent de vous amener avec moi pour la première fois que je vais nager depuis le début du confinement parce que là... Excusez-moi. Il fait genre 27, puis là la piscine, ça fait comme un jour qu'elle est prête, puis que je peux nager dedans de manière que ça va pas être dangereux pour ma santé, tu sais, le chlore. Alright, fait qu'on va aller choisir... Pourquoi ça zoome pas? On va aller choisir mon maillot. Première étape. Qu'est-ce qu'on met? Car, c'est ça qui est ça. Je veux-tu un maillot normal ou je veux un bikini? On va aller dans la section Arena. Because you know, sponsors, Arena, yo-yo, gotta do what you gotta do. Bikini. Nouveau bikini que j'ai toujours même pas encore mis. Merci Arena. Ok, fait qu'on va passer de cet outfit de quarantaine là, qui est comme mon everyday look. Ooh! Snoopy, ça c'est pour toi Alexia. Donc on se change. Regarde, je sais, je suis pas venue ici sur la planète web pour me faire juger sur mes démarcations, ok? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en kayak, puis j'avais un petit top, puis tu sais, un kayak fait vendre tout ça. Fait que. On va être dans l'acceptation de soi aujourd'hui, puis on va pas juger ça, parce que de toute façon, je m'en vais dehors, puis on va fix it! Vous voulez voir une preuve que la piscine est prête, mais moi, j'y crois même pas. Ouh! Ok, on y va! Juste avant d'y aller, je vais enlever mes boucles d'oreilles, parce que je veux pas prendre de chance, tu sais. Je veux comme pas les perdre, je les aime trop. Horace. S'il te plaît, sponsorise-moi. Alright, fait qu'on va y aller. Prendre ma corne. Faudrait peut-être que j'ai un casque. Oh non, mon casque est dans mon filet. Yeah! Oui, je me crème pour toutes mes haters. Sandrine, I see you. J'aime crémer. Kat aussi, juste pour toi. Parce qu'on a tous appris de mes erreurs ensemble. Donc là, Charlotte, à vous, je me crème. Ok? C'est assez. Ça me manquait. Ça fait 70 jours environ, ok? Je sais même pas si... Je l'ai-tu encore l'affaire, tu penses? On va voir ça. Je suis toute excitée! 1, 2, 3, go! D'un coup! Ah, sérieux, je pense que je juste en train. 1, 2, 3, oh! Ok! Ah, c'est correct! De faire des longueurs juste pour me réchauffer puis me réchauffer! Sérieux, c'est vraiment le fun! C'est comme les premiers coups de bras. C'était vraiment weird, mais pas tant weird que ça. C'était comme le feeling que t'as après une semaine de congé. Tu sais, j'ai encore l'affaire, mine de rien. Ce qui est le fun d'avoir arrêté de nager pendant longtemps, c'est que là, tu peux, quand tu retournes nager, tu peux comme réapprendre à ton corps comment nager. Fait que si t'avais quelque chose à travailler dessus, genre mettons, moi c'est qu'il faut que le coude soit haut puis que la main soit là. Ben là, je vais m'assurer que mes premiers coups de bras, après comme 70 jours, soient sacoche. Comme ça, je vais continuer à manger comme il faut. Bon, on espère. Claude, j'espère que t'es cru de ça et que t'es fier de moi. Hein? Je suis comme full contente en ce moment. Ça me manquait.
plage. Oh! Je pense qu'on tient quelque chose. Ouh. Je t'ai soufflé. C'est drôle parce que, tu sais, je sens que j'ai pas tant perdu la technique, mais c'est clair, j'ai perdu le cardio. Genre, je serais pas capable de faire un 24x100, hein, genre best average. Ça, c'est clair, mais en même temps, on s'y en attendait. Je vais faire du kick. Dans le fond, ce que je vais faire, vu que, tu sais, j'ai pas de chronomètre mental, j'ai pas de coach, j'ai pas de maître, genre de longueur de piscine à faire. Ce que je vais faire comme entraînement, là, c'est juste, vu que c'est ma première fois, ma première saucette, je vais take it easy. Je pense que je vais aller pour, comme par shot de coups de bras. Fait que, mettons, je vais faire 100 coups de bras au crawl. Tu sais, là, je brainstorm avec toi, là. Je sais pas, là, qu'est-ce que je vais faire. 100 coups de bras au crawl, 50 coups de bras au dos, repos. Fait que 100 coups de bras au crawl, 50 coups de bras au dos, 50 kicks au kick avec planche, repos, puis je vais faire ça 4 fois. On va voir qu'est-ce que ça donne. Comme renouer avec un vieil amour. Ah. 1 hour later. Bon. Je l'ai fait 2 fois. Puis. Pardon. Je dois avouer que 100 coups de bras au crawl, c'est plus long que ce que je pensais que ça allait, que c'était. Fait que je pense que je vais arrêter à 2 sets. Comme. De toute façon, regarde, c'était la première fois que je rentrais dans l'eau depuis. Je vais me laisser une chance, là. Parce que là, je suis tombée. Ça va pas bien. Mais quand même, c'est une expérience positive. J'avais vraiment hâte de le faire, c'est fait. Ça me fait juste réaliser que des entraînements de 2 heures, ça ne me manque pas tant que ça. C'était vraiment le feeling d'être dans l'eau. Puis c'est certain que s'il y avait mes amis avec moi, ce serait tellement plus le fun. Puis je resterais bien plus longtemps. Mais là, nager sur place, à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 100, c'est vraiment plate. C'était ma première saucette. Mid-quarantaine, 2020 vision. Je sais plus qu'est-ce que je dis. Je pense que c'est vraiment plus le feeling dans l'eau qui me manquait que d'avoir ma tête dans l'eau et de pas parler à personne. Ça manquait moins, mais le feeling est extraordinaire. Je me sens full bien. C'est juste que, comme tu peux voir, j'ai soufflé, je m'en viens une vieille madame, plus de cardio. Mais, tu sais, je me dis, si je suis essoufflée de même, malgré avoir fait comme quasiment un entraînement par jour depuis la quarantaine, que ce soit du cardio ou de la muscu, tu sais, quand même, je keep up avec l'entraînement. Mais peu importe, le cardio de natation, il est complètement perdu. C'est comme si, peu importe ce que tu fais, ça peut jamais être genre full. Genre, je perds mes mots là parce que regarde, c'est difficile. Ça pour dire que ce que je suis en train d'essayer de te dire, que j'essaie que tu veux que je comprenne que tu veuilles, c'est que peu importe ce que tu fais à l'extérieur de l'eau, ce sera jamais pareil comme ce que tu fais dans l'eau. Puis aujourd'hui, j'en suis l'exemple parce que là, donc,
fait comme 5 minutes, j'ai arrêté de nager puis je suis encore essoufflée. La vie c'est dur, mais qu'est-ce que tu veux? Au moins je suis pas malade. Au final, j'ai ramassé mes affaires. Au final, je pense que j'ai fait peut-être une trentaine de minutes de natation. Tu sais, je pensais à ça, là. Faut pas que je m'en fasse trop sur mon cardio puis comment je me sens, parce que... Tu sais, faut quand même que je me donne une chance, là. C'est valable pour n'importe qui veut recommence à nager comme par toi-même. Tu sais, ça va être difficile la première fois. Autant mentalement que corporellement, physiquement. T'sais, au final, j'étais bien excitée, là, pis c'était vraiment le fun. Comme t'as vu, là, j'avais du plaisir. Mais comme à partir d'aujourd'hui, je vais aller graduellement, les prochaines fois que je vais nager, je vais faire de plus en plus. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais inviter mes amis à nager. De toute façon, le chlore, ça le tue, le Rona, là. Bon, je vais me changer parce que j'ai froid. Ouf! Bon, ce que je voulais dire, puis j'espère que j'ai été claire, c'est que, outre trouver ça plate, nager toute seule, je pense que quand même, faut pas que je sois trop sévère avec moi-même, puis vous non plus, sur notre entraînement en quarantaine. Tu sais, là, j'ai juste fait 30 minutes aujourd'hui, mais je pense que j'ai fait quand même un bon effort. Fait que, tu sais, ça va être tout pour moi aujourd'hui, puis je vais pas m'en faire avec ça. Puis demain, peut-être, tu sais, je vais pouvoir faire un 40 minutes. Tu sais, faut pas que je me dise, ah, oh, parce que j'ai juste fait 30 minutes de natation, genre ma carrière est finie. Me voilà une vieille femme. Tu sais, non, je pense que, tu sais, c'est normal, ça fait 70 jours environ que j'avais pas nagé, 30 minutes. Tu sais, on va le prendre, là. Puis demain, ben, je vais faire peut-être un 40 minutes. Who knows? Fait que j'espère que, au final, mon message a l'air positif. Puis que c'était une vidéo positive, parce que j'ai eu bien du plaisir, puis j'étais bien excitée. J'ai nagé. Je n'ai pas perdu le doigté. Donc c'est tout. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde d'être là. Like, subscribe, follow. Special since 94. Follow me, follow for follow. Non. C'est tout. Bye. Bye.